Hello mon ami, bonjour, c'est Lisla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Quel plaisir de te retrouver. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, stratégie financière, business. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu. Comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, upgrader tes finances et surtout te permettre de vivre la vie de tes rêves et d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster tes finances et te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret qui va te rendre millionnaire. Un secret que pas beaucoup de gens pratiquent parce que c'est pas évident déjà et peu de personnes le connaissent. Comme tu le sais, peut-être, l'école apprend, l'école forme à apprendre. L'école apprend à apprendre. L'école n'apprend pas à gagner de l'argent, encore moins à devenir riche. D'ailleurs, la plupart des millionnaires de ce monde, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, parce qu'il y en a de partout dans le monde, ce ne sont pas des gens qui ont fait de grandes études, qui ont de grands diplômes. Ce ne sont pas les diplômés d'Harvard. La plupart des millionnaires, des multimillionnaires, ce sont des gens qui se sont fait seuls, entre guillemets. Ce sont des self-made men. Ce ne sont pas des gens qui sont devenus riches grâce ou par rapport à leur diplôme. Pas du tout. Mon ami, si tu veux augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise, tu dois être capable de connaître, de maîtriser, d'anticiper, de prédire les réactions psychologiques humaines. Tu as un business, donc ça veut dire que tu es un vendeur. Tu vends tes produits si tu as des produits physiques, tu vends tes produits si tu as des produits en ligne, tu vends tes prestations, tu vends tes offres. Pour être un bon vendeur, il faut avoir de solides notions en psychologie humaine. Et le secret que je vais te dévoiler aujourd'hui, c'est la loi de la générosité. La générosité est une force. Si tu veux vendre plus de produits, mets en place la loi de la générosité. Offre quelque chose à tes clients. Offre même par anticipation. Offre même avant que ces personnes ne soient devenues tes clients. Donc, il y a plusieurs cas de figure que tu peux adapter à ton propre secteur d'activité. Si par exemple, tu as un commerce et que tu vends des produits physiques, tu peux mettre en place des échantillons. Moi, si j'avais un commerce physique, ce qui n'est pas encore le cas, je ne laisserais personne ressortir de mon magasin si je vendais des produits sans un échantillon à tester. Si tu as des produits en ligne, offre un cadeau, une première valeur à tes produits que tu vends. Si par exemple, tu as un salon de coiffure, tu peux proposer un bon d'essai gratuit pour quelque chose qui ne te prendra pas beaucoup de temps à faire et qui ne te coûtera pas beaucoup d'argent. Si tu as un salon de coiffure et que tu mets en place, par exemple, une stratégie marketing qui consiste à offrir un shampoing gratuit, il est clair qu'il y a une forte probabilité que, un, les gens, surtout les femmes, les femmes sont des êtres qui aiment se faire plaisir et qui... Les femmes aiment être belles. La plupart des personnes qui vont venir faire leur shampoing gratuitement ne vont pas faire que le shampoing. D'autre part, les gens qui vont venir faire leur shampoing gratuitement vont connaître ton adresse, vont connaître ton enseigne. Et si elles sont satisfaites, elles vont revenir, c'est sûr. Et tu as quelques personnes qui ne vont jamais revenir. Mais ça, c'est la loi du nombre. Mais vraiment, c'est quelques personnes que tu ne vas jamais revoir
elles sont infimes. Pourquoi? Parce que dans la psychologie humaine, l'homme n'aime pas être redevable. Tu as offert quelque chose gratuitement à quelqu'un. La personne ne peut pas laisser passer beaucoup de temps sans te remettre ce que tu lui as offert. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé de te faire inviter par quelqu'un au restaurant. Le fait que cette personne, tu as passé un bon moment, tu as bien mangé, c'était un bon resto et tout. Le fait que cette personne t'ait invité, en sortant du restaurant, tu ne penses qu'à une chose, c'est quand est-ce que tu vas pouvoir rendre l'appareil et passer un autre moment aussi agréable. C'est la loi de la réciprocité et la loi de la générosité entraîne de facto la loi de la réciprocité. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque tu mets en place cette loi, mais ça te génère des clients en fait. Tes clients avec qui tu es généreux ou généreuse vont se sentir redevables envers toi parce que y a le principe de la gratitude fait en sorte que tu as envie à ton tour de remercier la personne. C'est de la pure psychologie, c'est de la psychologie sociale, c'est de la psychologie humaine. Là, évidemment, dans cette notion de psychologie humaine, je ne parle pas des radins notoires, des gens chiches qui sortent jamais d'argent de leur poche. Donc effectivement, il y en a, mais bon, c'est tellement minime qu'on ne se concentre pas sur eux, sachant qu'ils existent. On se concentre sur la stratégie qui va nous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de nos entreprises. En clair, lorsque tu mets en place, lorsque tu actionnes la loi de la générosité, tu mets ton vis-à-vis client, en l'occurrence, dans une position qui est un peu inconfortable, où il se sentira honoré, reconnaissant et redevable. Donc je te disais que la générosité est un principe puissant que tu peux mettre en place dans une vraie stratégie marketing. Et cette stratégie marketing, pourquoi elle te rend millionnaire? C'est parce qu'en fait, elle transforme des gens en clients et ces gens-là, à l'origine, n'avaient pas l'intention de te donner un centime. Voilà mon ami ce que je vais partager avec toi à propos du secret qui va te rendre millionnaire, c'est-à-dire la loi de la générosité, actionner la loi de la générosité. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es prête à l'implémenter dans ton propre business ou est-ce que tu vas l'implémenter une fois que ton business sera lancé? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement, très massivement tout autour de toi dans tous tes réseaux sociaux et je sais que tu en as dans tous tes groupes de manière à ce que notre belle communauté continue de croître et de grandir et d'ailleurs tu dois faire partie de cette communauté donc abonne-toi mon ami. Si ce n'est déjà fait, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.